Jazz, qu'est-ce que tu fais? Chut. Chut. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me concentre. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Alors s'il te plaît, tu te tais, d'accord? Je sens que ça vient. Ouais, ça y est. En deux mots, immonde. Ben, pourquoi il nous colle comme ça, celui-là? Hé, hey, va te garer ailleurs! Oh oh! Oh non, un lourd! Oh non, un lourd! Hé hé hé! Salute les voisins! Referme! Vite! Venez! Je vous invite pour l'apéro au feu à la connaissance! Ce serait pas poli de refuser quand même! Et passe pas au travers, hein, par ici, mon ami, allez, viens, ah! Oh, une lépreuse! Non, 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 c'est rien, c'est du blat, c'est tout. Ah ah ah, un artiste va bene, moi aussi, je suis un artiste. Là, 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 c'est mon paradis, et vous n'avez pas encore vu Gina, hein? Gina! Gina, ce sont nos nouveaux voisins. Bonjour, milady. Ah! Mais non, c'est du plâtre, c'est un artiste. Moi, mon truc, c'est la peinture. Moi, je sculpte, c'est ma passion. Oh, l'art, moi, j'adore le lard. Beppo, viens dire bonjour. Beppo! Rasmo, elle veut plus me lâcher, j'ai peur. Qu'est-ce que je fais? Prends du plaisir. Beppo, Beppo, sors de là, allez, allez, et viens saluer nos invités. Ma que timide, celui-là. Hé, Gina. Et si tu nous faisais quelque chose à manger? Gina, c'est faire des spécialités. Mets-toi à l'aise. Alors, mon petit rat. Allez, allez, assieds-toi, collègue artiste. Et Peppo, hein? Comment tu trouves mon Peppo? Non, non, on sent qu'il est, sympa. C'est un artiste, lui aussi. Beaucoup de talent, comme son papa. Voilà, voilà, ben on va y aller, là. Je me sens pas trop, trop bien, Alex. Parce que tu as faim, tu as le ventre vide. Une bonne grosse pizza à la cuisine. Allez, viens, suis-moi. Ah ouais, c'est ça, rendez-vous lundi à la cuisine. Lundi, lundi ou mardi, hein, voyons l'âge, disons jeudi, disons... Ouais, jeudi, jeudi. Reconnais que c'est injuste, elle aurait pu craquer pour toi au moins. Et qu'est-ce que tu veux, encore une qui aime pas les gros? Il y a des fois, je te jure, j'en ai marre d'être un beau garçon. Hein? Qui c'est? Ah! Je vois que vous aimez la peinture italienne. Passe ta montgolfière. Beppo, hey, c'est pas l'heure de jouer aux légumes. Tu ne vois donc pas que papa montre son chef-d'œuvre à son collègue artiste? Régalez-vous, mes mignons. C'est bon, hein? Hey, j'adore les pâtes. Non, non. Qu'est-ce que c'est? Hier ma savonnette et aujourd'hui ma clé à molette. J'ai perdu dans cette baraque. Elle a pas la commande, la dame, hein? Et là, c'est qu'il est bientôt midi. Qui veut gagner des raviolis va bientôt commencer. Presto, faut pas rater le début. Vite, ferme la fenêtre. Et voilà le travail, j'ai fait le tour. T'es sûr qu'ils pourront pas revenir? Je vois pas par où ils passeraient. J'ai soudé tous les accès du cargo. Relax, le tombeur. C'est du solide, soudé par Rasmo. Tu peux dormir tranquille. Moi, j'ai l'inspiration qui reprend. Dormir. Ciao, ciao, les voisins. Ah, viens donc nous rejoindre. Viens me faire un petit câlin. Hé, voilà.
voisin. Tu aimes les boules, hein? Et Gino, c'est le spécialiste des boules. Le coco, où es-tu? Je t'ai fait quelques spaghettis. Laissez-moi! Waouh! Oh, le cauchemar! Waouh! Bien dormi, voisin! Dis donc, au fait, on va rester ici parce que chez nous, c'est complètement inondé! Razmo! Je sais! J'ai passé toute la nuit, c'est fini! Alors, qu'est-ce que t'en penses? Raz, c'est horrible! Non, c'est pas horrible, c'est génial! Et encore, j'ai pas branché la prise! Quand je l'allume, il y a le pied gauche! Ils sont revenus! Rapido, alerte jaune, faut faire quelque chose! Referme ça tout de suite! Venez manger! Mais elle est complètement malade, elle. Oui! Mais il y a un moyen. Mais en fait, faut leur faire peur! Fais-leur ton imitation du monstre! Très. Comme ça? Mais c'est nul ça! Mais non, pas celle-là, celle-là! Ah, comme ça? Mais non, là tu rigoles! Regarde avec ma bouche! Y'a mieux! Tiens, mes scopes! Oh, c'est pas possible de manger toujours la même chose! J'en ai jusque-là! Mâche, oui! Ah oui, c'est bon ça! Mâche! Ah, t'aimes ça de mâcher, hein? Tu vas mâcher, c'est bon! Coupé, elle est bonne, parfait! Ah, t'es vraiment trop fort, mais t'es sûr que ça va marcher? T'inquiète, Pépé, va chercher les costumes! Je suis pas trop sûr que je peux regarder cette cassette. Mais si, il le faut. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Oui. Phase 2, envoie. Qu'est-ce que vous regardez? C'est une histoire d'amour? Non, c'est pas un film. C'est une cassette vidéo familiale. Le massacre du 24 juin. Oh, regarde, Rapido. C'est Pépé. C'était son anniversaire. Son dernier anniversaire. Tu te rappelles? C'était son gâteau préféré, le rose. C'était le dernier qu'il a mangé. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, il s'est fait avoir. La nuit du 24 juin. Et là, c'est DJ Roquefort. Juste avant le carnage. Et Magali et Freda. Qu'elles étaient belles. Pourquoi étaient? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir. Oh mon Dieu, je veux pas voir ça. Ça me fout les boules à chaque fois. Oh, ça m'excite aussi. J'y les crois pas. Elle va manger Frida. Et Magali aussi, embouillée en 2 secondes. C'est horrible. Ce malheur arrive tous les 24 juin. C'est vrai, tous les 24 juin, deux d'entre nous doivent disparaître. On est combien aujourd'hui? Le 24 juin. Oh! Mais on a des chances d'en réchapper cette année. Ouais, 3 chances sur 5. Ah, il faut qu'on s'en aille. Gina a raison. On doit tous fuir avant qu'il soit trop tard. Prudence, la bête n'est sans doute pas loin. Je veux pas être mangé. J'y vais en éclaireur. Quel malheur! Je suis arrivé trop tard. Il l'a englouti. Partez! Reviens avec nous! Reviens! Tu vas te faire croquer! Ah! Trop tard. Ciao, ciao! Hasta la michos! Alors? Ils sont pas prêts de revenir. Oh, j'ai bien pu mettre ce coupon. J'en ai marre. Ah. Ne bouge surtout pas. Tu sais ce que
ça me rappelle ce qu'on vient de vivre. Hein? Ah, je sais pas, mais c'est bien joué. Ça me rappelle une mythologie grecque. Laquelle mythologie? La mythologie grecque de l'histoire de Ishtar, qui était amoureuse de son double. Ah, j'ai vu le film, c'était... C'est ça qui m'énervait avec toi, c'est que t'as toujours tout vu, soi-disant. C'est incroyable, hein, on peut rien te... Elle a un gros problème d'haleine, hein.